Yo les bros! J'espère que ça va bien, c'est Charlie, on se retrouve pour WAM épisode 8 les gars. On est au mois d'octobre, on est dans la semaine de pic du mois d'octobre. On prépare la petite course, on fera la Melrose de Brionne. Pour ceux qui y seront, on s'y verra là-bas. Et donc pour préparer ça, on est avec le fiston qui court aussi. Ça va Jarod? Ouais. Pas trop dur? Non. T'arrives toujours à parler? Oui. Ok, on a devant, on a l'ouvreur, notre ouvreur professionnel, Sacha, sur son vélo. On est pour l'instant sur 6,30 au kilo, on va essayer de tenir ça. Allez, on se voit plus tard, choose les boys. On est dans les 100 derniers mètres de la sortie 5 km. Ça va toujours Jarod? Ouais. Ah, dur. Ça commence à être dur. Oui. Ah, 5 km c'est long. Hein. Il reste 100 mètres. 100 mètres pour finir cette petite séance 5 km. Il s'accroche. On a été très régulier, le rythme est bon. On est sur toujours à peu près 6,30 du kilo. Parfait. Ouh. Oh c'est chaud. Ok, on marche. Et c'est fini ton pipo. Voilà. Voilà, fin de sortie. 5 km en 33 minutes. Comment tu te sens? J'ai mal aux jambes. T'as mal aux jambes, mais le cœur ça va? Oui. T'as soif? Oui. Ok. On va aller boire. Et puis manger un peu, ça va faire du bien. Plus tard pour la suite de la vidéo. Let's go! Yo les gars, on est le 14 octobre. Je viens tout juste de finir ma sortie 16 km mode un peu trail. Il y avait pas mal de dénivelé, je pense que j'ai dû faire dans les 300 mètres de dénivelé. Bon, je sais pour certains c'est pas beaucoup, mais pour moi c'est pas mal parce qu'on commence tranquillou dénivelé. Voilà donc une sortie qui s'est super bien passée. La preuve, vous voyez, je viens juste de m'arrêter et là je vous parle, je suis hyper frais. Donc très content de cette sortie qui est annonciatrice de très bonnes choses. La semaine de pic est bientôt finie, il me reste la piscine demain. Ça va pas être facile parce que la fatigue est là quand même, hein. Je sens que ça tire un peu. Mais ça va, ce soir c'est tartiflette, on va reprendre un peu d'énergie. Allez, let's go! Le petit café qui fait du bien. Non. On se retrouve au studio après une sortie vélo qui était pas facile, le vélo est trempé, bon il a plu, il y avait du vent, il a plu, machin, enfin c'était la galère. Psychologiquement une sortie très très dure, et puis on va pas se mentir que là je suis dans une semaine où le moral est un peu dans les chaussettes. Semaine du 16 au 22 octobre, voilà, je suis fatigué, ça tire un peu, et il y a beaucoup de gens au studio pour qui aussi ça fait ça. Donc si c'est ton cas, Si dans cette semaine-là aussi, si tu t'en rappelles et que toi aussi t'as traversé une semaine un peu compliquée, n'hésite pas à me mettre en commentaire, n'hésite pas à me le noter. Voilà, la course de la Melrose se rapproche. Mon fils a bien préparé son 10 km. L'objectif qu'il s'est fixé, c'est de le faire en moins d'une heure 10. A savoir que sur la Melrose, il y a quand même du dénivelé. Donc on va voir comment il va se débrouiller, et puis je vais essayer de le guider progressivement dans sa course, lui donner ses allures. Et puis lui permettre de réussir à valider son premier 10 km. Je vais continuer de laver mon petit vélo, on se retrouvera un petit peu plus tard. Ou un petit peu plus tard dans la vidéo. Le mec pète un câble. Allez, tchou les boys! Boum, yo les gars! On est là, c'est la Melrose. Il y a de l'ambiance! C'est chaud patate! Ça danse. Oui, Jaja. T'es prêt ou quoi? Ouais. Allez, on se voit tout à l'heure à la fin des 10. Alors, sensation? C'est dur. C'est dur? Ouais, c'est dur, je suis d'accord. 1h05, premier 10 km. On a les petites pommes, on a les madeleines, on a tout ce qu'il faut pour récupérer. Pas mal? Cristalline? C'est pour nous, on dirait une pub. Ok, fin de vidéo du mois d'octobre. On finit le mois d'octobre. On met en place la petite roue du défi du mois de novembre. Vous allez m'en dire des nouvelles, ceux qui vont faire le défi du mois de novembre. Ça va piquer, accrochez-vous. Pour le défi de ce mois-ci, je viens de passer à l'instant sur développé couché.
Du coup, ça sera pas la win pour le coach, malheureusement pour lui. Par contre, victoire de Rudy, très belle perf, bravo à lui, GG, belle victoire. Rudy qui monte très très haut dans ce petit classement pour l'instant. Il part très très bien, il est chaud notre Rudy. Je vais pas me laisser faire. En tout cas, elle est là. Le défi arrive. Je vous dis au mois prochain pour de nouvelles aventures. Tchuss les boys.